bonjour à tout le monde. Je ne suis pas ici pour m'amuser aujourd'hui. C'est une réponse directe à Debordo Lekoufa, un homme qui n'a jamais fait des exploits dans la musique africaine, un homme inconnu, un produit qui n'a jamais été fabriqué. C'est lui qui se met devant les écrans, dans l'obscurité, pour insulter un homme qui a fait du nom, qui a fait vraiment parler de lui dans l'Afrique entière. Monsieur Fally Ipupa, un artiste pétri du talent, c'est un petit voyou qui n'a pas d'aura dans la musique, qui passe les réseaux sociaux en train d'insulter. Il dit que moi je suis bien, je suis fort que Fally. Monsieur, si tu es fort que Fally, plus si tu es plus que Fally, tu ne serais jamais dormir sur tes fesses toute la journée. Pendant que tu es sur tes Fally Ipupa, lui, il est dans le studio en train de faire de la musique. Pendant que, oh, Debordo, que je viens de connaître aujourd'hui même, pendant que tu es en train de parler, critiquer, crier, Fally est à Tanzanie en train de jouer des concerts. La jalousie, c'est ça la jalousie. Un homme africain n'aime pas africain. C'est un homme aigri, un homme qui n'a pas de vision, comme toi, Debordo, tu n'as pas de vision. Si tu es vraiment garçon, fais un album. Il y avait un album que tu as crié pour l'album, la chanson Masai, je ne sais pas Masai. Où est la chanson? Mais Fally, quand il dit, j'ai fait un morceau, c'est le morceau qui sera là. Et quand il fait un morceau, tout le monde est d'accord. Il a sur son réseau social, Fally Ipupa, il a plus de 20 concerts dans 20 différents pays. 20 pays différents. Pendant que tu es en train de critiquer, en train de crier, lui, il est en train de travailler. Oh, peuple ivoirien, on s'aime beaucoup, on est tous africains. On doit vraiment aimer la musique. La musique n'a pas de frontières. Un musicien, il est international, il les passe partout. Quand il critique les Congolais, ils ne savent pas chanter en français. Alors, le monsieur, notre patrimoine, Youssoundour, il chante à Wolof. Mais il va partout dans le monde avec sa langue et chanter. Ça n'a jamais créé de problème. Pourquoi le Lingala va te créer des problèmes? C'est parce que moi, je crois que tu es à perte d'inspiration. Tu ne t'inspires même plus bien. La façon dont tu as fait la vidéo, tu étais d'abord sale. Un musicien à ton nom, faire une vidéo dans l'obscurité, c'est comme si tu as peur d'être expatrié même. Oh, mon cher ami, avant de parler, il faut tourner ta langue 7 fois. Tu n'es pas un musicien à la hauteur de Fally Ipupa. Ça, c'est la vérité. On ne doit pas se cacher la face. La valeur de Fally Ipupa dans les showbiz est ta valeur. Il y a pas photo. C'est la nuit et le jour. Fally, quand il va partout en Afrique, il ne joue pas avec des 10 dollars, 5 dollars. Non, pour lui, c'est des 100 dollars et plus. Et il fait remplir des salles. Il fait remplir des salles. Si toi tu es bon, il y a la salle Bercy à France là-bas. La salle Bercy, elle est là. Va jouer à Bercy. Va jouer au Zénith de Paris. La salle est là. Va jouer à Olympia. Si tu es vraiment garçon, va jouer. Il ne faut pas crier. Il faut être musicien. Il faut être créateur. D'ailleurs, toi tu n'es pas musicien. Tu es un atalakou. Tu ne chantes pas. Tu criailles dans la musique. Je ne suis pas dedans, hein. C'est ça, des chansons que tu veux comparer avec les chansons les morceaux de Fally. Fally a des morceaux, a des œuvres. Quand tu écoutes Eloko Oyo, Ngongango Yangoyo, Eloko Yango Nini, musique. Tu écoutes la chanson a le fond, la chanson rythmique. Mais toi, tu ne fais pas de la chanson, tu ne fais pas de la musique. Tu ne fais que crier, tu n'es même pas rappeur, tu es un atalakou. Tu veux te comparer à un excellent chanteur, un musicien, au vrai sens du mot. Fally joue de la guitare, il joue toutes sortes d'instruments.
Dernièrement, il a fait les showbiz, il a fait un concert addict. Plus de millions de vues. Toi, tu fais quoi? Au lieu de critiquer ton adversaire, fais quelque chose. Compare-toi à lui avec des œuvres. Il ne faut pas seulement venir crier, se plaindre. Tu te plains pour quoi? De Bordeaux, tu te plains pour quoi? Un homme comme toi, Fally est un homme comme toi. Si tu es garçon, il faut faire sortir un album. Fais sortir un morceau et puis on va comparer. Au lieu de crier, si Fally fait des sorties, il fait des concerts, ce sont des producteurs. Il a des sponsors, il a des producteurs. Parce qu'il est un produit, produit de valeur. C'est pour cela qu'il est toujours à... Il est toujours aimé, il est toujours recherché parce qu'il est produit vraiment recherché, un produit vraiment qui est agréable. Mais toi, si on ne te cherche pas, si on ne te produit pas, c'est que tu n'as pas de la musique, c'est que tu n'as pas de l'aura, c'est qu'on ne te connaît pas. De Bordeaux, il ne faut pas être méchant, on ne te connaît pas. Ta musique ne perce pas, on ne te connaît même pas au Tchad. On ne te connaît pas en Algérie. On ne te connaît pas en Éthiopie. Fally, quand il arrive à Côte d'Ivoire, c'est à cause de sa musique. Il est aimé à Côte d'Ivoire. Sa musique a traversé les frontières de la Côte d'Ivoire. Mais toi, il faut jouer, il faut faire les morceaux qui vont traverser le Congo, qui vont traverser les frontières. Mais toi, tu es seulement un musicien du quartier. C'est ça le problème. Tu es un musicien du quartier. Si tu es vraiment garçon, moi je le répète, si tu es garçon, il faut sortir un morceau et faire la compétition avec Fally. Mais sinon là, tu vas parler, tu vas dormir sur tes fesses toute la journée, toute la nuit. Mais ça, tu n'auras pas de la solution. Fally n'est pas ton ami. Tu le connais, vous vous connaissez, mais n'est pas ton camarade. Vous faites le même métier, mais pas de la même manière, pas de même niveau. Toi, tu es un poids léger. Dans la musique, tu n'es même pas un poids léger. Mais Fally est parmi les poids lourds de la musique africaine aujourd'hui. On ne peut pas se voiler les faces. On ne peut pas se voiler des faces. Fally, c'est un musicien poids lourd en Afrique. Pas comparer. Il ne faut pas comparer les incomparables. De Bordeaux, tu es un Atalaku. Dieu t'a donné la chance de gagner ta vie à partir de la musique Atalaku. Mais il ne faut pas te comparer à un musicien bien fait, bien formé, qui sait valoriser sa propre musique. Il y a beaucoup de chansons de Fally Ipupa. La chanson comme Service, va écouter, ça va t'éduquer. Va écouter. Il ne faut pas critiquer les gens. Oh Lingala, les jeunes n'écoutent pas, ça t'embête. Si toi ça t'embête, ça n'embête pas tout le monde. Ça n'embête personne. C'est parce que tu as de la jalousie, tu as de la haine. Tu ne réussis pas. Tu veux t'accrocher derrière le nom de Fally Ipupa. Tout le monde sait ça. Mon cher ami, de Bordeaux, tu veux t'accrocher derrière Fally Ipupa. Tu veux t'accrocher. Puisque c'est lui qui a du succès, c'est lui qui a de l'aura aujourd'hui en Afrique. C'est pour cela que tu cherches à être connu à travers lui. Aujourd'hui, les Européens, les Américains font des featuring pour s'entraider. Les Africains, ils sont là pour se déchirer. Pourquoi ne pas créer quelque chose, une atmosphère qui est bon pour que tu cherches de l'aide, pour demander de l'aide? Il ne faut pas chercher l'aide à critiquer. Si tu as besoin de Fally, va à genoux toi devant ton vieux père, demande-lui de l'aide, il va t'aider, on va te connaître. C'est pire et simple. Mais tu veux, tu cherches des clashs pendant que tu n'es pas bon. Tu cherches des clashs pendant que tu ne sais même pas chanter. Tu cherches des clashs pendant que tu n'es pas connu. Montre-nous tes sorties, tes calendriers. Montre-nous tes calendriers. Puisque lui, il a des événements, des events où il va partir. Fally, il a plus de 20 dates déjà calées dans son calendrier. Montre-nous, si tu es garçon, montre-nous tes dates. Montre-nous. Tu es lâche-pied, mon cher. Tu es lâche-pied, évané-pied, un avare. Tu n'es même pas capable à faire un morceau qui va faire parler le monde, qui va faire parler l'Afrique centrale, soit l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est toi qui crie, c'est toi qui parle.
Fali n'est pas ton camarade, il n'est pas ton ami, vous n'avez pas le même niveau. Fali, c'est un musicien qui perf, qui fait de la musique, qui fait de la musique proprement dite. Il entre à studio pendant que toi tu es en train de crier. Il va sortir un morceau pendant que toi tu es en train de bavarder. Il va cartonner pendant que toi tu es en train de jalouser sa vie. Partout où Fali entre, partout où Fali passe, c'est des succès. Il casse toujours des salles. À Côte d'Ivoire, des salles, je sais pas, toutes les salles là, des centres culturels là, Fali, il a toujours rempli ça. Toi, tu as rempli quoi? Toi, tu as rempli quoi à Côte d'Ivoire? C'est de Bercy que tu veux parler. Toi, tu as rempli quoi à Côte d'Ivoire pour aller remplir Bercy? Tu veux te comparer à la personne qui n'a pas ton niveau? Compare-toi à des musiciens comme Billy. Compare-toi à des musiciens là. Même DJ Kérosène te dépasse de loin. DJ Kérosène, il est écouté partout. Il te dépasse de loin. Mais toi, les gens étaient. Dans ta vie, tu as fait seulement des morceaux. Des morceaux. Ce sont des morceaux bizarres. Je ne sais même pas comment ça a cartonné, des morceaux bizarres. Mais aujourd'hui, tu veux mourir derrière Fali Poupa. Tu veux te coller sur le nom derrière l'habit de Fali Poupa. Mais monsieur, tu as échoué. Fali ne va pas te répondre. Fali ne va même pas t'équiper. Fali, il a une machine derrière lui. Il a des avocats qui peuvent faire tout. Tout ce que tu fais là, c'est de la poussière pour Fali Poupa. Tu ne fais rien. D'abord, la façon dont tu as fait, la conception de tes revendications, de tes conneries, tu les fais dans l'obscurité, dans la nuit. C'est comme si tu as peur de la police. Je regrette, monsieur, je regrette. Tu n'as pas le niveau de Fali Poupa. De Bordeaux, tu n'as pas le niveau de Fali. Même les Ivoiriens, ils se savent bien. Pourquoi tu vas jalouser Fali? Tu vas dire au peuple ivoirien de boycotter Fali. Ah, pourquoi? Il t'a fait quoi? Toi, tu es devenu président ivoirien. Fali n'a jamais insulté les Ivoiriens. Il a toujours respecté les Ivoiriens. À chaque fois qu'il est à Côte d'Ivoire, il a toujours été à son estime, il a toujours été à son niveau, il a toujours estimé le peuple ivoirien. Et c'est toi, un petit gaou, toi, un vaurien, un avare, un jaloux, tu vas écrire ici, tu vas emballer tout le monde à boycotter Fali Poupa, à moins que tu sois une personne vraiment influente à Côte d'Ivoire. Je ne crois pas que tu pourras même le faire. J'ai parié, mon frère. J'ai même ma main à couper. Écris, fais d'abord le plan de boycotter le concert de Fali sur ta page de Facebook. Et on verra combien de personnes vont vraiment adhérer à tes idées, à tes sales idées, à tes idées idiotes. Arriver à un niveau de dire que les Congolais sont des racistes. Tu es voyou. Je ne sais pas quelle sorte de drogue les forces de Bordeaux t'y a pris. C'est overdose. Tu as pris l'excédent de drogue. Puisque un homme normal ne peut pas parler de cette manière-là. Les Congolais sont racistes puisqu'ils n'aiment pas ta chasseau. Alors le magique système qui sont aimés partout en Afrique, au Congo. Magique système. José, elle est toujours écoutée. Mais ouais, ils sont là, des alpha blondies. C'est toi qui vas aller changer la donne. C'est toi qui vas aller parler mal des Congolais. Mon cher, tu n'es pas normal. C'est de la drogue que tu as pris. Je te pardonne. Attaque avocat de Fali Poupa. Je te pardonne parce que je sais que tu es sous l'effet de la drogue. Un homme normal ne peut parler de la sorte. Oh, monsieur. Je ne comprends pas, je ne crois même pas qu'une personne pourra parler de la manière et de la sorte. Je suis là un défaceur de tout le monde, défaceur de Fali Poupa à ce moment-ci, à ce moment précis. De Bordeaux, tu dois passer à la télévision, demander de faire des excuses envers la personne, envers Fali Poupa. Tu dois demander pardon à Fali Poupa parce que tu as joué avec sa personne. Tu veux salir sa personne. Alors tu dois passer à la télé demander pardon.
Si tu ne demandes pas pardon, je vais venir encore avec autre émission pour te menacer, puisque moi je suis là pour défendre les vraies valeurs les vraies valeurs africaines. Toi, tu deviens une valeur vraiment inutile dans la société africaine. Alors moi, Gilmas, je suis là pour toujours encadrer les antivaleurs dans la communauté africaine. Je viens d'encadrer les petits de Bordeaux qui n'ont pas vraiment une bonne manière de voir les choses. Au lieu de vivre à unité, c'est lui qui veut diviser les gens. Pendant que les Blancs sont en train de réfléchir pour créer une unité universelle, les petits gaou ici, ils veulent toujours diviser les gens. Les Noirs n'ont pas besoin de ça. Les Noirs ont droit, maintenant, ces derniers temps, nous n'avons aucune raison de nous diviser. On doit être unis. L'Afrique, toutes les frontières que tu veux dire, voir, ce sont des frontières des Blancs. C'est les Blancs qui ont mis ça. Sinon, là, nous, on n'a pas de frontières. Alors, méfie-toi. Méfie-toi. Si tu n'es pas beau dans la musique, fais autre chose. Si tu ne réussis plus à t'inspirer pour faire mieux, laisse la musique faire d'autres choses. C'est tout ce qu'on te demande. Nous, on est là. C'est moi, Gilmas, Chronique du Net TV. Abonnez-vous toujours. Je suis là pour vous. Et chaque fois, je serai là. Oh, pardon. J'ai beaucoup parlé. À la prochaine.